mistakes. I've made a few. I've had my share of bad kicks in my bed, but I've come through. I've been gone. Bonsoir, merci d'être avec nous dans ce journal un peu particulier puisqu'entièrement consacré au stage sportif de Châtillon 13, vécu durant une semaine et bien à Miramont de Guyenne. Sans plus tarder, je cède l'antenne à Sébastien, studio à Miramont. Sébastien ? Oui Jean-Claude, je vous reçois bien. Nous sommes en direct de Miramont de Guyenne au centre du Saut du Loup avec les stagiaires de rugby à 13 de Châtillon. Notre premier sujet dans le journal... Le déplacement à Tonnins, présenté par Guillaume. Et oui, Sébastien, je suis en direct de Tonnins, où notre sélection de Pipi Poussin Benjamin rencontre en match amical Tonnins et la Réole. Tout de suite, nos images. Alors, au placard, je veux voir, pas d'action individuelle, les balles aller jusqu'au bout. Ah, hein. Vous devez courir, la nef. Il s'agit sans cause, celui qui a le ballon. Et celui qui est à côté, on est du pas dessus, hein. Je sais. Et on se tire pas dessus. Il faut que la prochaine fois, cette faute-là, elle est pas mieux. Non, pas marché. We'll be right back.
faute là. Continue, continue, Benjamin. Benjamin. Et c'est les fautes. Attends pas. Allez, vite! Remets-toi! Qu'est-ce que tu merdes? Viens! Chopin, ouais! Allez, balance, t'inquiète toi! Et à présent, notre sélection de minimes KD Junior va rencontrer en match amical Tonas. Tout de suite, voici quelques extraits. Thank you.
Sébastien, je suis en direct du centre du Saut du Loup où nos stagiaires prennent un bon repas après une dure journée de rugby. Tout de suite, nos images. Ah, tu bois beaucoup. Il y a des trous dans la table. Nous retrouvons de nouveau Xavier qui nous parle des activités sportives proposées par le centre du Saut du Loup. Oui, Sébastien, nos stagiaires ont la possibilité de pratiquer d'autres activités sportives telles que le tir à l'arc grâce au moniteur Jean-Claude, du tennis, du canoë-kayak avec le moniteur Daniel et même du VTT. Tout de suite, nos images. Thank you.
Guillaume qui nous parle du déplacement à Villeneuve-sur-Lot. Eh oui, oui Sébastien, je suis en direct de Villeneuve-sur-Lot, où nos rugbymen disputent un rude match contre Villeneuve. Bien ça. Il passe pilier à la place à Sébastien pour le moment. On ne fait pas les mêlées. Sébastien, on est en train de discuter là, ensemble. Vous le mettez dans le vent. Ici, là. Vous partez. Et on peut passer comme ça. Regardez Drummond ce qu'il fait. C'est la ligne, c'est pas 3 km pour là. Tu tends la main un peu là. Yes.
il se met à droite. S'il libère les bras, il peut passer le ballon si vous êtes. Vous allez comprendre comment ça se passe. Parce que c'est pas avec le championnat que vous avez en Ile-de-France où vous rigolez tous. Marco, tu prends des ballons en Ile-de-France. Tu passes. Là, t'as vu ? Quatre fois, les mecs, ils arrivent. À l'intérieur. Va pas sur le mec. Tu peux donner dans l'eau si tu vois que tu passes pas. 17 ans, il est temps que vous appreniez à jouer tous ensemble. Si vous êtes contre. Si les mecs, ils Eh bien, le rugby à 13, finalement, ça a un certain charme, un sport viril, engagé, et je crois qu'il peut rivaliser avec le 15, il a même de l'avenir, ce rugby. Je vous invite à regarder ces images. Nous arrivons à la fin de notre journal avec ce dernier sujet, la vie dans les dortoirs. Vous allez voir, c'est pas triste. Ce reportage vous est présenté par Loïc. Bonsoir bien, je suis en direct des dortoirs, où nos stagiaires, après une bonne nuit de sommeil, émergent enfin. Tout de suite, nos images.